La préparation du semis se fait en deux temps, oui. Donc premier passage de retavator et ensuite traçage des lignes avec cet outil. L'idée c'est de reprendre exactement les mêmes espacements qu'aura la bineuse derrière. Il faut travailler forcément avec un relevage qui soit bien bloqué des deux côtés, que la machine soit bien bloquée, qu'elle puisse absolument pas bouger, parce que sinon forcément c'est pas droit. Hein. Donc le tout est juste de tracer des lignes pour pouvoir se repérer. Bon, on sème en semoir manuel, donc soit on trace avec le semoir, soit on trace directement comme ça, et c'est beaucoup plus pratique en traçant comme ça, on gagne du temps derrière, quoi. Et surtout de la régularité, quoi. Au moment du semis, ou avant le semis, je laisse en général déjà se salir un tout petit peu le terrain, avec ou sans voile de forçage, ça dépend un petit peu du temps qu'on a pu avoir pour le mettre en place ou pas. Ensuite on sème en mélangeant un tout petit peu de cresson hellénois, de façon complètement pifométrique. Hein. Le dosage est très scientifique. Après le semis, je repasse donc avec un petit rouleau à main, juste pour replomber un petit peu et qu'il y ait un meilleur contact au niveau de la graine. Le cresson hellénois va lever 3 jours avant la carotte. Donc à partir du moment où on a semé, on remet un voile. Hein. Je sème et je remets systématiquement un voile dessus. En général, c'est 8 jours, 8 à 10 jours, le cresson va pointer et à ce moment-là, on brûle toutes les lignes. Alors le but de l'opération, en fait, c'est d'arriver à brûler toutes les herbes qui ont commencé à lever sur la ligne avant que la carotte ne soit levée. Si, je pense que c'est quand même beaucoup moins sale que... Quand on voit là, ici, le rond là qui n'a pas été brûlé, par rapport à ça, c'est quand même, ici, c'est quand même beaucoup plus sale, quoi. Donc c'est intéressant quand même de brûler une première fois, quoi. Encore ou c'est bien? Non. Le premier passage, on le fait dès qu'on voit les carottes, en fait. Derrière ça, ou dans la foulée, ou quelques jours après, un passage super rapide à la main sur la ligne. Normalement, dans les moments du deuxième binage, donc ça va être à peu près à 15 jours d'écart par rapport au premier, on devrait, comme la carotte est mieux développée, pouvoir opérer un butage. Et le butage à ce moment-là, donc c'est pour éviter d'avoir un salissement qui revienne trop rapidement, quoi. Si tout est fait correctement et dans les temps où ça doit être fait, normalement on doit très très bien s'en sortir. Et à ce moment-là, après, on ne fait plus que des binages mécaniques et c'est suffisant. Bon, c'est vrai que là où ça prend tout de suite beaucoup plus d'ampleur, c'est si on foire cette partie de nettoyage manuel et si on laisse trop le réenherbement repartir, quoi. Le désherbage manuel des carottes, c'est mythique de toute façon. Il y aurait pas, on ne parlerait pas du maraîchage bio si on ne parlait juste pas du nettoyage manuel des carottes. Normalement, la récolte des carottes, elle s'opère au mois de septembre. Ça ne s'est pas fait à la machine simplement parce qu'elles ont été ressemées très tard. Donc à la période, on aurait pu les arracher au mois de septembre. Elles étaient trop petites et surtout pas assez matures pour être récoltées. Donc on les a laissés plus longtemps et que de toute façon au mois d'octobre et novembre, encore moins, on n'aurait jamais pu passer à la machine parce que là c'était trop humide, donc on a arraché à la main. Ça veut dire quand même que d'un problème qui se passe en début de saison, on en a les conséquences jusqu'à la fin de la saison. Enfin, on a perdu beaucoup de temps dans cette gestion d'enherbement, on a ressemé, on a eu une moindre récolte qui arrivait très tard et qu'on a dû pour le coup arracher à la main au lieu de les arracher à la machine. Et comme on a arraché à la main, eh bien, on perd aussi du temps sur le reste du travail, quoi. L'objectif, c'est d'arriver à en avoir le maximum sur la saison qu'on ne lave pas. Par contre, on passe toujours beaucoup plus de temps sur des carottes non lavées si elles sont un tout petit peu sales à la récolte, parce qu'on est obligé de les frotter toutes individuellement, alors que finalement, quand on les lave, ça va beaucoup plus vite, quoi. On procède de la façon suivante, on les met en sac déjà. Et quand on les met en sac, on fait des demi-sacs qui trempent. On les laisse systématiquement tremper une paire d'heures, quoi, hein. En général, on fait toute la récolte le matin. On laisse tout tremper pendant la période du déjeuner et on lave après-midi. Et à ce moment-là, les sacs qui sont pleins qu'à moitié, ils vont très bien laver, on donne un coup de jet, on retourne un quart de tour à chaque fois, et du coup elles sont bousculées dans le sac et ça va beaucoup plus vite à laver que si on a des sacs pleins où nos carottes elles ne bougeront pas à l'intérieur et elles ne pourront pas se laver correctement. Les semis sont fractionnés en 2 à 3 fois à l'extérieur, plus un semis à l'intérieur. Tout début mars, donc pour des carottes primeurs. Le premier semis à l'extérieur, lui, intervient aussi très tôt, fin mars. Bon, c'est un semis qui est assez risqué parce qu'il est quand même très tôt, mais c'est une quantité qui est limitée juste pour pouvoir vraiment arriver à la suite de ce qui est à l'intérieur. Le deuxième semis extérieur, lui, qui va couvrir toute la saison de récolte, vente détail, donc en frais sur toute la saison. Et le troisième semis qui va boucler la saison, mais surtout avec aussi beaucoup de carottes de conservation, hein, donc sur une période plus longue. Bon. Le fait de fractionner les semis, bon, le premier, ça permet de prendre le risque de le faire tôt sans avoir d'énormes conséquences. On peut le louper sans que ça ait d'énormes conséquences. Le deuxième semis, bon, qui est quand même le plus important, bah, là du coup on doit pouvoir le faire dans des conditions optimum. Bon, cette année on l'a complètement loupé, mais en temps normal c'est celui qu'on doit forcément réussir. Et le troisième semis, bon, est plus fait là pour pouvoir échelonner un petit peu le travail de binage, et notamment le binage manuel, quoi. Bon, le fait de travailler sur 3 périodes différentes, bon, on a des périodes de pousse qui peuvent être aussi assez différentes, ben, selon la météo déjà. Mais c'est vrai qu'on a quand même un petit peu moins de salissement sur les semis tardifs, donc sur les semis qui seront destinés à des carottes de stockage, quoi. Au mois de juin, on a quand même un peu moins de salissement qu'un semis du mois d'avril, où là, on a vraiment toute la période de pousse, quoi. Donc ça permet de jongler un peu, d'assurer un peu mieux les semis. Parce qu'un semis qui loupe, en général, quand il loupe du début à la fin, quoi, hein, donc c'est pas seulement 2 lignes qui loupent, et surtout échelonner le travail. Je sais pas au frigo comment ça peut se garder, ceci. En tout état de cause, de toute façon, on peut pas, surtout en vente marché, mais que ce soit marché à MAP, pas d'autre choix que de maintenir la carotte. La carotte, c'est un légume qui est essentiel tout au long de l'année, que ce soit printemps, début d'été en botte, il y a les râpés l'été, il y a les carottes l'hiver. Les carottes, on en a besoin toute la saison à la vente. Hein. De toute façon, c'est essentiel pour la diversité des légumes sur un étalage, c'est évident. Mais par contre, le coût de revient peut être quand même très très variable selon si on réussit ou si on ne la réussit pas au départ.